Première visite du général Brice Clotaire Oligui Nguema sur le terminal d'export d'Assala Gabon depuis le rachat de cette entreprise par l'État gabonais en juin dernier. À cette occasion, les responsables de cette entreprise nationale ont renouvelé leur confiance aux autorités de la transition en dressant un bilan des activités. Vous m'aviez dit que vous me confiez 52 000 barils et que nous n'avions pas le droit d'échouer. Je suis venu, j'en ai discuté avec ces hommes et ces femmes. Hier, nous avons produit 55 606 barils, dont 6 600 qui venaient de Gamba. Le rachat d'Assala Energy est bien plus qu'une transaction financière. Elle propulse l'État gabonais comme deuxième producteur national avec une capacité de production de 75 000 barils par jour. Le président gabonais a quant à lui marqué le moment par l'annonce de plusieurs mesures visant à réformer le secteur du pétrole au Gabon. Les procédures d'admission des étrangers pour un meilleur suivi des expatriés. Le financement des formations et création d'emplois stables pour les nationaux. Je veux la création d'une nouvelle grille pour les emplois précaires, pour les aligner sur la convention du secteur pétrolier. À travers le rachat d'Assala, l'État gabonais vise une gestion autonome de ses ressources pétrolières et une augmentation des revenus du pays. Avec une production estimée à plus de 55 000 barils par jour au mois d'octobre 2024, contre 52 000 au moment du rachat en juin dernier, l'objectif semble atteint.